Ministère Finance indique que le gouvernement a perdu 2,4 millions de dollars et non pas 4,5 millions de dollars d'un contrat qui tient avec la compagnie Selit Marble qui est basée à Dubaï pour construction projet la case L'Osile Persévérance. Ministre Danny Ford fait sa déclaration. L'État donne l'explication, un rapport qui est sorti basé sur l'enquête qui a fait l'allégation comme quoi 4,5 millions de dollars disparaissent dans sa posée la case. C'était pendant la session Bidze l'année passée dans l'Assemblée nationale qui, membre l'Assemblée nationale, termine sa concerne devant le ministre Finance. En mai 2004, le gouvernement a signé un contrat avec la compagnie qui est basée à Dubaï, Selit Marble, pour la première phase poser la case aux îles Persévérance. Le gouvernement, ensemble avec le ministère qui s'allait tant pour qui poser la case, ministère de l'utilisation de la tech, l'habitat MLUH, a signé un contrat avec la compagnie pour la valeur 21,8 millions de dollars pour construire 1029 la case aux îles Persévérance. Le ministre des Finances, Danny Ford, il dit qu'il est basé sur le bon critère international, le gouvernement donné d'avance 10% avec sa compagnie, un total de 2,1 millions de dollars. Un somme qui est pour aider les commence à mobiliser pour faire sa projet. Le ministre Ford dit que le gouvernement a pris une hypothèque pour tout bon équipement que la compagnie a besoin pour porter dans le pays. La compagnie a pris à proche gouvernement pour un deuxième d'avance. Ça tient somme 1,5 million de dollars garanti en totalité par la banque Barclays. Mais c'est après toute sa bonne dépense faite par le gouvernement que le ministre des Finances dit qu'ils ont découvert qu'ils travaillent sur l'île Persévérance, pas type masse par le gouvernement type souhaité. Gouvernement, tu prends conseil avec bureau attorney général. Et advice qui bureau attorney général tu donne gouvernement, c'est qu'il y a un vivant problème que gouvernement peut rencontrer avec contracteur, nous devons arrêter le contrat. Ça veut dire nous terminer le contract. Et le contrat a terminé officiellement le 23 décembre l'année 2005. Et en janvier 2006, suivant advice bureau attorney général, ministère MLUH a décidé à côté la banque Barclays pour nous call sa garantie 1,5 million de dollars. Et c'est à ce moment qu'il est plus apparent l'involvement qui sa contracteur aussi itiana avec la banque Barclays. Ministre Foy dit qu'en 2006, soutien emploi un CCLOI pour faire une évaluation financière sa factory qui contractait la compagnie Selit Marble, qui construit l'île Persévérance ainsi bien qu'il bon l'équipement qui est là-dedans. Et gouvernement est capable d'équiper une somme 1,1 million de dollars. Et conclusion un rapport fait par un Australien qui fait audit, il fait concernant l'allégation que le gouvernement a perdu 4,5 millions de dollars avec la compagnie Selit Marble, il montrait que le gouvernement n'est pas capable de payer une somme de 2,4 millions de dollars plutôt que 4,5 millions de dollars qui est inversé avec sa contracteur Selit Marble. Sa conclusion est complémentaire avec des autres rapports, un audit par le ministère des Finances et qu'un rapport technique par MLUH. Le ministre Foy aussi dit que ce rapport montrait qu'il n'a pas aucun officiel MLUH qui prend la zone gouvernement pour s'apposer la case. Par rapport, il dit il n'a pas la zone qui a toussé. Donc, il est important qu'il nous dit et nous confirme qu'il n'a pas aucun officier MLUH et leadership ministère, même ministre at the time, qui ne prend aucun sou la zone l'État. Okay? Mais ce qui est important, c'est qu'il nous peut deal avec un compagnon qui le niveau son technologie fait sa bonne qualité la case avec lui pour nous atteindre l'objectif gouvernement la période 39 mois fait 1029 la case ben technicien qui dit qui sa compagnon il y en a ben l'expertise à cause d'une roi sa qualité technologie qui sa bonne démonine fait.
le niveau technique. Okay? Mais pas juste le gouvernement qui s'accompagnait, surtout son managing director, une touffe, une qualité de l'information. Ça n'arrive avec Barclays Bank, Cécile. Je crois que important pour nous voir qui passe ce gouvernement et qui y aussi montre nous une leçon que le gouvernement apprend avec sa situation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans le ministère des Finances, nous avons ce qu'on appelle un financial branch qui assise le ministère des Finances, qui deal, spécialisé au fond pour capable de plusieurs détails. Et moi, quoi, ça y montre qu'il nous besoin de renforcer le système. Et que les recommandations sorties dans le bon rapport, il ne peut montrer qu'il nous besoin de pousser aucun travailleur qui peut travailler at the time. À cause il y en a un risque, par exemple, dit. Et si le gouvernement tin call sa N.5 garantie Barclays, nous partis pour une perdit 2.4. OK? Nous pour une perdit 943 000 dollars. Ministre dit qu'avant qu'ils outils dans le contrat à la compagnie Solid Marble, des délégations au niveau sorti code ministère MLUH à Dubaï pour visiter travail qui s'est accompagné t'y fait et outils satisfaits avec son compétence technique aussi bien que technologie qui t'y peut servir à cause plan gouvernement s'y fait 1029 la case d'un délai 39 mois et qui gouvernement il honore tout l'engagement sa contrat. Gouvernement signe contrat dans l'année ban standard international. OK? Volume sa contrat est 21.8 millions de dollars. Et il dit que 10% a besoin de payer pour mobilisation. Le gouvernement dit OK, we go ahead. Avec le premier release, c'est 2.1 qui a payé qui s'accompagne. OK? Avec le gouvernement, il honore son commitment, son engagement. Il n'a pas aucun mismanagement. OK? Nous pouvons deal nous avec. Nous pouvons deal. Le gouvernement, il trouve lui avec un compagnon qui fait bon travail, qui a habilité, mais d'une façon et l'autre, il prend honneur son engagement et lui sa compagnon, il réussit comme si, fait dommage au gouvernement et aussi dommage à la banque répétée, pareil, Barclays. Okay? C'est ça que findings qui sortent de bon rapport qui devant nous. Ministre Foy dit qu'il travaille aux îles Persévérance et continue malgré l'état qui n'en a l'opposé la case. Il dit en ce moment, l'installation de l'électricité, l'île Persévérance, peut être financée par l'organisation internationale et qui plan gouvernement, c'est pour finalement terminer tout travail et remettre sa bonne la case avec ce bon locataire.